La baie du Grand Sud, c'était l'endroit magique pour mon fils Chuck. C'est là qu'il avait grandi, les pieds dans l'eau. Et depuis l'enfance, il passait tous ses moments de loisirs à pêcher. Quand il eut accumulé suffisamment d'économies, il acheta son propre bateau. Il pêchait toujours tout seul. Je trouvais ça un peu triste, mais Chuck adorait la solitude. C'était son jardin secret, où il élaborait des projets d'avenir. Un avenir qui commencerait par l'université et imposerait qu'il quitte sa famille pour la première fois. Mon cœur de mère me disait qu'il serait en de bonnes mains, au sein d'une respectable université. Qu'aurait-il eu à craindre? J'ignorais tout du monde secret qui existait sur de nombreux campus. Un monde dont les traditions profondément enracinées allaient absorber mon fils et changer notre vie à tout jamais. Je m'appelle Hélène Stevens, et ceci est notre histoire. Regarde ce que j'ai fait à l'école. T'as fait ça, toi? C'est vrai, je parie plutôt que tu l'as acheté. Non, c'est moi-même qui l'ai fait. Oh, toute seule? C'est quoi au juste? C'est supposé être moi? Oui, dans 50 ans. Ouais, tu vas faire la pige à Rodin plus tard, c'est moi qui te le dis. Allez, viens, on monte. Ça va à l'école, toi? Ouais, ouais. Bien? Oui. Tant mieux. Tiens, les saucisses. Et ton copain de chambre va être content. Ouais, ouais. Du chocolat. Bah, allez, un peu de bacon. Ça tira comme ça. Allez, tu as fait le plein, alors on décolle. D'accord. Allez, en route. Allez, c'est parti. Salut, salut, salut. J'oublie rien? Ton sac, Chase. Ah, merci. Bon, allez, au revoir. Bouge ta vieille jambe, tu vas me mettre en retard. Vieille jambe, dis donc, allez, lui, t'as de la chance de partir, sinon... Oui? Tiens, chérie. Oh, maman. Je sais que tu as... Je te remercie. Je t'aime, chérie. Du potage au poulet. Oui? J'ai quelque chose pour toi. Ouais, c'est quoi? C'est toi. Ah, superbe. Je t'adore. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer, toi aussi. Tu veux bien me remettre ça sur l'épaule, s'il te plaît? Merci. Allez, c'est un vrai pirate qui s'en va. C'est peu dire. Jacques, ouais. Attends, encore une petite douceur, des gâteaux au chocolat. Oh, des gâteaux, c'est super, Diane. T'as vu, maman, je m'aurais pas de faim. Et bon voyage. Merci. Maman m'a obligé à vider le frigo. Elle a peur que je tombe d'inanition en route. Jacques, ouais. C'est seulement le sens pratique, c'est un long voyage. T'as gardé un peu de place pour moi? Ouais, ça devrait aller, enfin, j'espère. Attention, attends, je vais tout lâcher. Oh, je le tiens. Allez, au revoir tout le monde. Tous les deux, tâchez d'être prudents. Compris? Oui, on a compris. Et Chuck respecte les limitations de vitesse. Me t'en fais pas, papa. Tu m'appelles dès que vous serez arrivés. Allez, viens. Vous promettez? Promis. J'y compte, je t'embrasse. Au revoir. Ouf. Tu vois, en voilà un qui a quitté le nid. Et tiens-toi à droite! 3 mois plus tard. Chuck, si t'as la chance d'être accepté dans la confrérie des Delta Lambda, sache que tu auras le monde à tes pieds. Ah oui, ça fait beaucoup. Et si je peux te demander, ça pourrait m'aider... Excuse-moi. Ça pourrait m'aider à entrer dans l'équipe de hockey. Ah, Chuck, comme je te l'ai déjà dit, on soutient tous nos frères. C'est exact. Et si tu acceptes d'être initié demain soir, la confrérie entière sera à tes côtés. Ce qui veut dire les meilleurs et les plus brillants. Et rappelle-toi bien, on n'intègre pas n'importe qui. Et nulle part ailleurs tu trouveras mieux, petit frère. Ah, sûrement. Dis oui et tu t'installes à vie avec la crème de la crème. Chuck, est-ce que tu savais que Franck était l'un des 10 meilleurs hockeyeurs d'Amérique l'année dernière? Oui, je le savais. Qu'est-ce que vous imaginiez, que mon copain de Piolle vous appréciait uniquement parce que vous étiez des personnalités? Ouais, à juste titre. On est l'élite. Fidèle jusqu'à la mort. Dans l'honneur et la fraternité. L'amour et la loyauté. Changez de disque, il est usé votre compact. J'ai entendu exactement la même chose l'année dernière. Au moins tu l'avais écouté, Franck. Et tu les avais cru, vieux? Eh oui, c'est pour ça que je fais partie des frères. Tu les crois pas, toi? Si. J'ai pas de raison d'en douter. Mon frère. Chuck. 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 À la confrérie. Chuck. Chuck. À la confrérie. Une seconde. Chuck! Hey, alors, ça baigne? Quel honneur sera fait? Oh, on rigolait, rien de spécial. Ah, ça, j'en suis pas sûr. Chuck, je crois pas que ta place soit avec ces types. Tu sais qu'ils n'ont pas bonne réputation. Oh, arrête, Marc, ce sont des histoires, ils sont très gentils. On dit ça. S'il vous plaît, 2 bières. Ah, non, merci, j'ai assez bu. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, moi, ça va. Ouais? J'ai très envie de changer d'option. Je vais choisir une spécialité plus exaltante, un domaine où je pourrais m'investir davantage. Et travaille avec nous, alors. Qui sonne ? La défense de l'environnement. Si tu veux t'investir, il y a du pain sur la planche avant qu'il ne soit trop tard. Écoute, je saurais pas par où commencer dans ce truc-là. On a déjà l'usine nucléaire là-bas du côté de Westfield. Ils sont assis sur une véritable bombe. Écoute, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Pas de problème. On va jusqu'à ma chambre, j'ai la documentation, t'auras le temps d'y jeter un coup d'œil, on en reparlera si tu veux. D'accord. Allez, on y va. Je croyais que tu en avais pour 20 minutes. Il fallait réapprovisionner le frigo. Hé, maman, il y a une tempête qui se prépare. Je l'ai entendu à la télé. Oh, Roy, comment allons-nous partir? T'en fais pas, on aura l'avion pour les Bahamas demain, quitte à nager jusqu'à l'aéroport. T'en as encore dans la voiture? Oui, encore un paquet dans le coffre. Les valises sont prêtes? Ah, à moitié prêtes. Je veux d'abord finir ce chili, le congeler, pour le donner à Chuck quand on ira le voir à notre retour. Oui, vas-y. Vous penserez aux pauvres malheureux qui vont se geler ici pendant que vous retirez aux Bahamas? Non. Allô? Hein? Chuck! Comment vas-tu? Chuck! Passe-le-moi. T'as vu les résultats du dernier match? T'as raison, il manque d'entraînement. Et attends, je te passe ta mère, elle piaffe d'impatience. Alors, mon étudiant chéri, ça va? T'as pas trop froid là-bas? Tu as assez de vêtements chauds? Mais tu ne veux pas que je t'envoie des caleçons longs que tu mettrais pour dormir? Maman, tu vas pas recommencer. Je sais, tu es grand et je suis une mère étouffante. C'est pas grave. Je te reconnaîtrais plus si tu posais pas ce genre de questions. Et qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber ça, tu veux. Allez, mais je suis avec ma mère. Allez, va jouer ailleurs. Laisse-moi lui parler, maman. Une seconde. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Oh, rien. C'est mon copain qui m'embête. Écoute, voilà pourquoi je t'ai appelé. J'ai un professeur d'histoire, un gars sensationnel. Il a transformé ma vie. Ce que je veux dire, c'est qu'en l'écoutant, c'est comme une révélation. Je vois les choses complètement différemment. Ce professeur m'a ouvert les yeux. Je sais où je vais maintenant. Je sais ce que je veux faire. Je veux être professeur d'histoire. C'est merveilleux. Chuck, on a une mauvaise nouvelle pour toi. T'as été refusé. Quoi? Les membres ont voté et ils pensent que t'as pas le profil pour la conférence. Une seconde. Ah, c'est foutu, désolé. Désolé, Chuck. Mais... Chuck, tu es toujours là? Oui, maman, je te laisse, je dois partir. Surprise! Je rigolais, allez, debout! Félicitations. Mais je comprends pas. Tu es mis à l'unanimité. Allez, amène-toi. Allez, assez causé, maintenant tu nous suis. Attends une seconde, maman. Maman, je te laisse. Écoute, tu redis à tous que je les embrasse, qu'ils me manquent et bon voyage aux Bahamas. Ah bah, je sais pas ce qui se passe, mais il a l'air d'aller en tout cas. Bienvenue dans notre monde! Mais où est-ce qu'on va là? Article 1, tu fais confiance à tes frères. Une confiance aveugle. Sans discuter. Maintenant, t'en as. Pourquoi? Ouvre la bouche. Allez! Je peux pas voir ça! Et tu t'arrêtes pas avant de tomber, Chuck! 1h20, on devrait te coucher depuis longtemps. Le temps passe vite quand on est bien. C'est la tempête dehors et pourtant, demain, je serai en maillot. Oh, mais c'est beau, ça! Sur du culot, téléphone à 7h. Allô, Madame Stevens? Ici Bryden, le doyen administratif de l'université de Crawford. C'est au sujet de votre fils, Chuck. Il s'est produit une terrible tragédie. Je crains de ne pas vous comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de parler de Chuck. Je suis désolé, Madame Stevens. Votre fils est mort d'un accident cette nuit. Non. Que s'est-il passé? Non. Mais qui est à l'appareil? Non, pas mon fils. Non. Un accident, Hélène? Hélène? Oh, oui. Pourquoi? Enfin, explique-moi. Chuck est mort. Mort? C'est ce que le doyen vient de me dire. Non. Dis-moi qu'il est venu, dis-moi que c'est une erreur. Hélène, oh, mon fils. Tous les vols de nuit ont été annulés. Mais je m'en fiche des vols de nuit. Je vais prendre le premier avion demain matin. Non, je veux partir tout de suite. Hélène. Non. Hélène. C'est maintenant que je veux le voir tout de suite. Oh, oh mon fils, non. savoir Charles Stenzel. L'université nous a prévenu que son corps était ici. Mais personne n'est autorisé à entrer. Nous sommes les parents, nous voulons le voir immédiatement. La réception nous a adressés ici. Vos noms, s'il vous plaît? Roy et Hélène Stevens. Stevens, c'est de Stenzel que vous parliez à l'instant. C'est le même. C'est mon fils d'un premier mariage. Désolée. En raison de la cause du décès, il est actuellement en autopsie. Oh. Nous attendrons. Il vaudrait mieux revenir plus tard. Il vaudrait mieux. Pourquoi mieux? Vous croyez que plus tard, mon fils sera vivant? Je m'excuse, je veux simplement vous dire que ça prendra du temps avant que vous puissiez parler avec un médecin. Nous attendrons. Il n'y a ici aucun responsable de l'université. J'ai trouvé personne à qui parler dans cet hôpital. Je n'y comprends rien. Et attendre comme ça. En plus, on ne sait même pas s'ils ont appelé un prêtre. Monsieur Stevens. Madame Stevens. Bonjour, je suis le docteur Parmel. J'ai assisté le légiste pour l'autopsie. Que s'est-il passé, docteur? Personne ne nous a rien dit. Écoutez, moi aussi, je suis père. Et je ne connais aucun mot pour effacer ce drame. Dites-nous la vérité, docteur. Plusieurs semaines avant d'avoir les résultats du labo, mais il semblerait déjà que le décès soit dû à un empoisonnement alcoolique. Qu'est-ce que vous dites? En d'autres termes, votre fils a bu une quantité massive et fatale d'alcool d'une façon tout à fait inconcevable. Alors selon vous, Chuck aurait bu jusqu'à en mourir? Exactement. Non. Ou il en est mort sur le coup, ou alors après le coma éthylique, il ne s'est pas réveillé. Il avait les poumons remplis d'alcool. Ils étaient littéralement noyés. Non, pas Chuck. Il ne buvait pas. Si je peux me permettre, Madame Stevens, je vous dirais que ce n'était pas la pratique de l'alcool qui l'a tué, mais plutôt le manque de pratique. Oh, Seigneur. Il n'avait aucune chance. Il ne pouvait supporter ce qu'il avait ingéré. Les battements cardiaques se sont donc interrompus. À peine une bière ou deux. Il n'a jamais bu plus que ça. Toujours le même problème quand les confréries font la bombe. Elles ne savent jamais s'arrêter. Mais quelle confrérie? Si vous vous expliquiez, docteur. Jusqu'où ça ira? Ils vont en tuer combien avant que l'université se décide à intervenir? Je ne suis pas habilité à vous dire ça, mais je pense que ce qui est arrivé à votre fils est un véritable crime. Roy, je veux que tu me fasses une promesse. Laquelle? Je veux que tu me promettes sur ta vie que même si je m'évanouis, on ne partira pas sans avoir vu Chuck. Hélène. Promets-le-moi. Je te le promets. Oh Dieu. Je t'aime, Chuck. Je t'aime. Je ne puis malheureusement pas vous dire grand-chose. C'était pendant leur fête. Le légiste nous a parlé d'une confrérie. C'est exact, une fête entre membres de leur confrérie. L'alcool coulait à flot. Ils ont tué Chuck. Pardon? Le légiste a dit qu'ils avaient tué Chuck. Il a parlé de façon inconsidérée. Ce sont des allégations sans fondement. Il sait que nous n'avons pas encore les résultats de l'autopsie. Il conviendrait qu'ils les attendent avant de se prononcer. Mais je vous assure, Madame Stevens, que par notre enquête conjointe avec la police, nous apprendrons ce que cette fête dissimulait. Une fête? Vous trouvez que c'est le mot adéquat? L'infirmière a dit que 2 autres garçons avaient été admis dans cet état critique et jusqu'ici personne n'avait cru devoir nous en parler. On peut voir le président Rowan? Je crains que non. Pourquoi? Le président Rowan n'est pas visible. Serait-il en voyage? Non. Eh bien, où est-il alors? Je pense qu'il assiste à un match de basketball. C'est pas possible. Je vous demande de comprendre que même si vous lui parliez personnellement, vous n'en sauriez pas plus. Croyez-moi, il n'a aucun autre détail. Je ne vois pas l'utilité d'accroître encore votre douleur en l'écoutant répéter ce que je viens de vous dire. Autrement dit, le président n'est au courant de rien concernant les agissements de ses élèves. Il y aura une enquête approfondie en vue d'élucider cette affaire. Et je m'excuse de ne pouvoir vous en dire davantage. Mais encore une fois, nous mettrons tout en œuvre pour déterminer les responsabilités. Je vous donne ma parole que je vous tiendrai au courant de la situation dès que nous aurons d'autres informations. Votre parole? Ma parole. T'avais pris quoi comme option en 2e année? Comme je savais pas, j'ai pris physique. Ah oui. Mais moi aussi j'avais pensé à ça et puis finalement je me suis dit que le droit international offrait plus de débouchés. Alors j'ai choisi. Madame Stevens? C'est Marc. Oh. Monsieur Stevens. Enfin, j'ai quand même réussi à vous trouver. Content de te voir, Marc. Comment ça a pu se passer? J'en sais rien. Ça n'a pas de sens. Absolument aucun sens. C'est ce que nous pensons aussi. Mais... si vous voyez quoi que ce soit que je puisse faire... je ne sais pas, peut-être amener ses affaires ou... même son pick-up? Oui, ça serait bien, ça. Oui. Oui, si tu pouvais ramener son pick-up à la maison, ça nous aiderait beaucoup. Oui. Bien sûr. Si vous voulez, je vous le ramène ce week-end. Nous allons faire ses valises. Oui. Merci. Là-bas, au fond. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jeff Lenir. Quel était le lit de Chuck? Celui qui est fait. Vous êtes son compagnon de chambre? Non, monsieur, mais personne ne sait où il est passé. Suzanne qu'il avait sculpté pour lui. Ouais, il avait l'air de bien l'aimer, sa sœur. Il en parlait tout le temps. Bon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il est arrivé, lui? Pourquoi avait-il tellement bu? Qu'est-ce qu'il essayait de prouver? C'est bien ce que je voudrais savoir. Oh. Je ne crois pas qu'on pourra l'enterrer avec sa casquette rouge préférée, ma chérie. C'est dommage, il faudrait essayer de la retrouver. Suzanne, tu veux monter, s'il te plaît? J'ai à parler à ta maman. Oui, bien sûr. Écoute-moi bien. Roy, qu'est-ce qui se passe? Mon frère a appelé. Du commissariat. Des rumeurs circulent. Quelles rumeurs? Ils ont appris des choses dans le déroulement de l'enquête. Le bruit court qu'on aurait enfermé Chuck dans un coffre de voiture la nuit de sa mort. Pourquoi? Il n'en sait rien. Mais il est sûr qu'il s'est passé plus de choses à cette fête de la confrérie qu'on a bien voulu le dire. C'est exactement ce que je pense aussi. Alors pourquoi tu n'en avais pas parlé? Parce que je croyais que je devenais folle et que je me faisais des idées, voilà pourquoi. L'impensable, c'est que Chuck est allé à cette fête au beau milieu de la nuit. Au beau milieu de l'hiver. Et son manteau sur lui. Et pourquoi avait-il des ecchymoses sur ses phalanges? Tu as vu des ecchymoses? À l'hôpital, quand je tenais sa main en l'embrassant, je me suis demandé d'où pouvaient venir ces bleus. Mon Dieu! Quoi? Ce que ton frère t'a raconté. Et si c'était vrai? Si Chuck était réellement enfermé dans le coffre de la voiture et avait frappé pour essayer de sortir. Bon Dieu! La question que nous nous posons tous, et sans pouvoir y répondre, c'est pourquoi? Pourquoi un garçon à l'avenir aussi prometteur s'est vu emporter dans la fleur de l'âge de façon aussi insensée? Il est une question, néanmoins, à laquelle nous pouvons répondre. C'est celle-ci. Que pouvons-nous faire pour aider la famille de Chuck Stenzel? Eh bien, nous pouvons lui offrir notre amour, notre soutien dans le deuil cruel qui l'a frappé. Mes frères, adressons au Seigneur une prière silencieuse à la mémoire de Chuck. Regardez ça. Ensemble. Il l'adorait. C'est content de les voir. C'est vrai, papa. Il les aimait beaucoup. Tiens, celle-ci vient de Monsieur Grady. Ce qui m'avait beaucoup touché chez Chuck, c'est qu'il savait que je souffrais du dos. Et quand la neige tombait drue, il venait déblayer le pas de ma porte. J'ai toujours proposé de le payer. Il a toujours refusé. Il avait un cœur en or. Ça finit par me mettre vraiment en colère, Roy, de voir qu'il a été traité avec une telle indifférence par ce collège qu'il aimait tant et par ses amis qui ont assisté à cette fête funèbre. Où sont leurs cartes? Quelle compassion nous ont-ils montré? Je vais ouvrir, chérie. Vous désirez? C'est vraiment dur pour moi de vous regarder en face maintenant. Mais je n'osais pas avant. J'étais trop ému et j'aurais pas su non plus quoi vous dire. J'espère que vous me pardonnez de ne pas être venu à l'enterrement. J'aurais pas pu le supporter. Mais sachez que mon cœur et mes pensées étaient avec vous et qu'il n'est rien que je n'hésiterai à faire pour vous aider. Franck, maintenant il faut nous dire ce qui s'est réellement passé. Je ne peux pas sans parjurer mon serment si je vous disais ça. J'avais juré le secret. Franck, je vous supplie de le dire. C'est au cours d'un bizutage de la confrérie Delta Lambda qu'il a eu l'accident. Bizutage? C'est un rituel qui fait partie de l'intronisation au sein de la confrérie. Et nous étions tous d'accord pour qu'aucun contact ne soit pris avec la famille, puisque de toute façon, ça ne le ramènerait pas à la vie. Mais j'ai cru que c'était mon devoir, en tant qu'ami, de vous avouer la vérité. Je me sens responsable de tout ce qui est arrivé. Chuck nous avait parlé de beaucoup de choses, de ses projets à l'université, mais il n'a jamais mentionné votre confrérie. Il ne voulait pas nous rejoindre. Mais j'ai beaucoup insisté pour ça. J'ai fini par le convaincre, et le bizutage, c'est cette nuit-là qu'il a commencé. Un cérémonial au cours duquel les profanes sont initiés aux lois de notre ordre. On les avait sortis de leur chambre, les yeux bandés, et rassemblés dans le parking. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Surtout que c'est moi, votre maître, et que pour mériter votre intronisation, vous devrez vous soumettre aux honorables traditions de la Delta, Lambda et Acérite. Tout ce qu'on fait ici devra rester secret, compris? Compris, bande de vers, on va vous dresser. Écoutez bien, profane. Nous savons tous que les vers rejoignent leur quartier d'hiver en rampant. Nous le savons, mon frère. Alors dans le coffre, faudra vous tortiller pour entrer, et pendant que vous y serez, vous viderez jusqu'au fond une de ces bouteilles de bourbon. Et tiens, c'est la tienne. Santé. Écoutez, je ne bois que de la bière. Eh ben, t'en as de la chance, Chuck. Parce que quand t'auras bu tout ton bourbon, tu auras 6 bières. T'es un petit gâté, Chuck. Et tu feras passer tout ça avec une bonne bouteille de vin. Bonne idée, mon frère. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Sans doute. Parce que vous êtes des vers, les bisous. Avant de devenir des étoiles, grimpez-les dans le coffre. Allez. Allez, on y va. Allez, on y va. Attention à ta tête. Allez. Les voitures avaient roulé pendant presque une demi-heure, avec les 3 bisous dans le coffre. Et une fois de retour, on les a enfin libérés. Hé les verts, on dirait que Chuck a gagné, hein? Allez, descends-toi, c'est fini le rodéo. Hé, je crois qu'il pique un bon roupillon. Faut sortir de là, maintenant. Eh, dis donc, Chuck, allez, assez joué, c'est fini. Allez, debout. Et on t'a donné cette mixture, c'était pour te faire vomir, c'était le but, tu comprends, allez. Les vieux, lève-toi et marche, comme disait l'autre à Lazare, et donne-moi un coup de main. Il est dans les pommes. Je vous jure, on n'avait aucune mauvaise intention. On avait souvent pratiqué ce bizutage, sans jamais avoir d'incident. Hé, Franck, viens m'aider, tu veux? Allez, il pèse son poids, celui-là. Peut-être qu'une douche lui ferait du bien. Oh, ils sont tous dans le cirage complet. Le mieux, c'est encore de les laisser roupiller. Allez, viens. Bonne nuit, les petits. C'était moi, le parrain de Chuck. Normalement, j'aurais dû m'assurer de son état tous les quarts d'heure. Mais j'avais rejoint les autres bars et on a continué à porter des toasts. Et dans la beuverie collective, Chuck m'était complètement sorti de la tête. J'ai fini par m'écrouler ivre-mort. Plus tard, cette nuit-là, quand j'ai repris mes esprits, c'était la panique. La police était là. Je comprenais pas pourquoi. Vous n'allez quand même pas me dire qu'on meurt pour un coup de trop? Si ça se trouve, il se droguait, et c'est le mélange qui l'a tué. Écoutez... C'était une plaisanterie inoffensive, pas forcément du meilleur goût, mais on la pratiquait déjà du temps où mon père était membre. Hé, sergent! Enfin, Jeff, qu'est-ce qui se passe? On peut le savoir? Il y a 2 bisous dans le coma, là-bas. Ils sont morts? Non. Mais Chuck, lui, il est resté. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Il est dans sa piaule. Sa respiration s'est arrêtée et il est devenu bleu. Pourquoi t'as oublié de monter le surveiller, comme je te l'avais demandé? Pourquoi tu y es pas allé, toi? Te défile pas. Ça, c'est ta faute aussi, et tout autant que la mienne. Tâche de t'en souvenir. Comment ça a pu arriver? J'en sais rien. C'était qu'un bizutage. n'avait jamais eu de problème jusqu'ici. Je comprends, vous avez le droit de me haïr. J'ai tellement honte. Franck, on ne vous déteste pas. Non, mon garçon. Au contraire, c'était courageux de ta part de venir nous parler. Personne ne l'avait fait. Notre position était difficile à cause du doyen Bryden. Il a donné des ordres formels au président de la confrérie. Il a dit, dès lors que l'enquête est en cours d'instruction, interdiction de commenter l'accident. Notre président nous a donné l'ordre de nous taire. Écoutez, je n'ai aucune intention d'entrer en polémique ouverte avec Madame Stevens. Mais ce que je peux dire, si ça peut rester entre nous, c'est qu'elle a plutôt tendance à interpréter les faits. Par exemple ? Nos avocats nous ont mis en garde contre d'éventuelles poursuites de sa part. Alors ? Entendu, je vais éviter d'en parler dans mon papier. Parfait. Il convient de relever que Madame Stevens n'a pas pris en compte la part de responsabilité que son fils pouvait avoir dans cet accident. Alors il serait responsable de sa mort, autrement dit. Non, mais j'observe que nous n'avons trouvé aucune preuve que ce garçon ou ses compagnons aient été forcés à boire. C'est normal de les enfermer dans un coffre de voiture par moins de 10 degrés dehors. Tout ce que je peux affirmer, c'est que personne, vous m'entendez, personne ne peut dire ce qui s'est passé cette nuit-là. Nom de Dieu! Assieds-toi, Franck. J'ai dit assis! Je suppose que t'es au courant de l'article dans le journal? Je suis au courant, alors après, si tu veux me parler, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'es un traître? Madame Stevens déclare avoir reçu des détails sur l'accident émanant d'un de nos membres, un frère qui avait pour mission de surveiller l'état de santé de la jeune recrue toutes les 15 minutes. C'est sa mère, elle avait le droit de savoir, non? Elle n'a aucun droit, Franck! Surtout pas au secret de l'initiation. Chuck voulait être des nôtres, il avait confiance en nous, alors nous devions le protéger et tous ensemble. Nous étions tes frères, on te faisait confiance. Et tu vas raconter que nos membres font pression sur les bisous et les obligent à s'enivrer? Pression sur les bisous? C'est un honneur d'avoir été choisi par Delta Lambda. Car parmi nos prédécesseurs, nous avons des médecins, des avocats, des présidents et des chefs d'entreprise qui officient dans tout le pays. Non seulement tu nous as trahis, nous, mais tu les as trahis eux aussi. Et à cause de toi, le médecin légiste, lui aussi, s'est mis à parler. Tu veux savoir ce qu'il a dit, Franck? Le moment est venu de dissoudre ces confréries, avant qu'elles n'accroissent le chiffre des innocentes victimes. On avait un engagement pour la vie, Franck! Et t'as rompu cet engagement. Tu as aussi rompu notre chaîne de fraternité et tout ce qu'elle représente. Tu n'es plus des nôtres. Non. Non, Franck. Tu n'es plus rien du tout. Rien qu'un mouchard. Un sous-produit humain sans aucun intérêt. Tu te souviens de Chuck quand il travaillait pendant les vacances scolaires pour se payer des études supérieures? Oui, très bien. Tu te souviens aussi de la façon dont je le harcelais sur l'importance primordiale de l'instruction? Harceler est un bien grand mot. Je lui disais, bats-toi. Ne traite pas ça par-dessus la jambe, tu le regretteras plus tard. Et quand j'y repense maintenant, c'est peut-être moi qui l'ai envoyé à la mort. Non. Non, tu n'as rien à te reprocher. Nous ne pouvions rien faire pour éviter ça, ni toi ni moi. Bonjour, maman. Oh, bonjour, chérie. Où sont Scott et Suzanne? On est lundi, Scott est au basket et Suzanne à la gymnastique. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Ouais, tu oublies tout le temps. Je n'ai que 24 heures par jour, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je constitue un dossier. Initiés, profanes, confréries, bizutage, brimades. Mais c'est quoi tout ça? Des recherches. Recherche, ça aussi? Non, documentation. Écoute ça. L'alcool est un sérieux problème dans l'environnement des campus universitaires et l'université de Crawford n'est, bien entendu, pas à l'abri. C'est une citation du président Rowan. Pourquoi laisser entendre qu'il pourrait simplement s'agir de la mort d'un garçon pendant une fête au lieu de parler des cérémonies d'initiation? Mais écoute, écoute ça. Marc m'a envoyé des gros titres. Écoute bien ça. Brimade en confrérie. Un bisu contraint de boire à en mourir dans un coffre de voiture. Et là, encore une autre. Exécution par l'alcool. Les cérémonies initiatiques conduisent dans l'au-delà. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Je vais rassembler un dossier complet sur ces exercices de bizutage qui ont tué ton frère. Et je me battrai jusqu'au bout. Tu me fais peur. Je ne vois pas pourquoi je te fais peur. Mais j'en sais rien. Je t'avais jamais vu dans cet état. Steven, j'ai toutes les chances de vaincre. Et je suis décidée à persévérer, quitte à laisser dans ce combat toute l'énergie qui me reste. Et pourquoi, maman? Parce que... parce qu'il y a des mères qui ont besoin de moi. Elles comptent beaucoup sur moi. Je reçois des lettres de ces femmes tous les jours. Et ça me fait réaliser que je ne suis pas folle. Steven, ces femmes ont besoin de moi. Et nous aussi, on a besoin de toi. Je sais, chérie. Je m'efforce d'être présente pour toi, pour Scott, pour papa, Suzanne, pour vous tous. Mais comprends-moi, je ne peux pas m'arrêter là. Sinon, d'autres morts surgiront, de toutes les grandes écoles. Et je ne veux pas que ce qu'a connu Chuck se renouvelle. Tu peux comprendre ça? Pardonnez-moi d'insister, mais je veux savoir exactement ce qui s'est passé la nuit de l'accident. Écoutez, Madame Stevens, je vous ai déjà dit ce que je savais. C'est clair, non? Je m'excuse, je dois y aller. Me casse les pieds. Hélène? Tu connais la nouvelle? Le doyen Bryden a suspendu la reconnaissance de la confrérie Delta Lambda. Pour combien de temps? Ça, il ne l'a pas précisé. Mais alors, il va la réintégrer dans une quinzaine de jours. Ou dans plusieurs années. Bonjour, maman. C'est nous. Qu'est-ce qu'on mange? Je meurs de faim. Ce sera prêt dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Bryden? Ça va moins te plaire. Il a dit que c'était la limite de la compétence des universités sur les confréries. Alors ça, c'est faux. Maman, je crois que ça brûle dans le four. Eh bien, éteins, chérie. Il avait déclaré aux journalistes... que l'une des options serait d'expulser les membres de Delta Lambda dans un premier temps et ensuite de prononcer la dissolution totale de la confrérie. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Toutes les universités ont une amicale, non? Oui. Et elle est parfois généreuse. On peut penser que les plus gros dons proviennent d'anciens élèves qui appartenaient à Delta Lambda. Oui, argent et politique. Oui. Hélène. Quoi? Je trouverai un autre moyen, c'est tout. J'ai fini d'envoyer mes cartes de remerciement. Maintenant, je vais écrire à tous ceux qui, à mon avis, sont susceptibles de soutenir ma cause. Hélène, calme-toi. Oh. Je te l'avais bien dit que ça brûlait. On dirait une vieille semelle. Non. Chérie, tu veux appeler Gino et commander une pizza pour 5? J'en ai déjà mangé au déjeuner. Oh. Bon, demain, j'enverrai un courrier à tous les reporters qui ont couvert la mort de Chuck et à toutes les facultés qui nous ont envoyé une carte de sympathie. T'arrêteras pas d'écrire, hein, maman? Non, je ne m'arrêterai pas avant d'avoir un résultat. M'aider? Oui, j'arrive, chérie. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça sous les combles au bureau. J'ai pensé que ça pourrait être utile. Tu parles? Ça vaut de l'or, ce papier. C'est quoi? La liste des brimades qu'exercent certaines confréries. Ça vient du New York Times. Ça m'a coûté 100 $. Écoute, ça met en cause 43 établissements. Et des histoires aussi horribles que celle de Chuck. Écoute ça. Robert Brissel, Crise cardiaque à l'université de Pennsylvanie. Thomas Fitzgerald poignardé à mort en jouant à la guerre à l'université St. John. William Flowers, mort, enterré vivant, Mamos College. Mitch Fishkin, abondi d'une voiture à 100 à l'heure, université de Lehigh. Ça vient à l'appui des lettres que m'ont fait parvenir plusieurs étudiants et leurs parents sur leurs expériences concernant le bizutage. Ça va donner du poids à ton dossier, je suppose. Tu parles. Madame Stevens? Madame Stevens, je peux vous parler une seconde? Qui c'est? Un reporter. Maman, faut qu'on y aille, sinon je vais être en retard. Je vous demanderai simplement un commentaire. Je suis désolée, mais je dois conduire ma fille au cours de gymnastique. Non, mais ce sera bref. Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de la conclusion qui vient d'être donnée à l'enquête concernant l'accident de votre fils? La conclusion? Maman, tu viens? Monte dans la voiture, chérie, j'arrive tout de suite. Vous semblez étonnée. Je croyais que le procureur vous en avait avisé. En 5 semaines, Monsieur Hughes, je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion d'entendre sa voix au téléphone. Et il a abrégé la conversation en disant qu'il me rappellerait. J'attends toujours. Et en ce qui concerne l'université, on m'a laissé entendre de façon claire que si j'avais d'autres questions, je devrais à l'avenir m'adresser au trésorier. On ne fait pas de sentiments chez ces gens-là. La conclusion rendue, et là je cite le procureur, ce qui s'est produit relève d'une circonstance accidentelle. Un cas isolé dont personne en vérité n'était vraiment responsable. T'occupe pas de moi. Quoi? Il a dit, Madame Stevens, il n'existait à l'évidence aucune volonté criminelle ni mauvaise intention. Et il a terminé par aucune poursuite ne sera engagée. Vous avez un commentaire? Je vais me débrouiller toute seule, comme d'habitude. Suzanne, attends-moi. Madame Stevens. Êtes-vous satisfaite des conclusions du procureur? Non, Monsieur Hughes, je ne suis pas satisfaite. J'ai perdu un fils et 2 garçons l'ont presque suivi dans la mort. Les intentions des acteurs du drame ne modifient en rien les faits. Nous sommes en face d'actions rituelles, régulières et préméditées qui se justifient sous le nom de fraternité. La mort de mon fils n'est pas un accident, Monsieur Hughes. Je ne suis qu'une simple mère de famille. Mais pour autant, je ne suis ni ignorante ni naïve. Et vous pouvez assurer vos lecteurs que je vais remuer ciel et terre jusqu'à ce qu'on ait fait une loi pour que ces actes insensés relèvent du code pénal. Merci beaucoup, madame. N'étais pas au gymnase et ton amie Laurie m'a dit que tu serais probablement ici. Je voudrais que les choses redeviennent comme avant. Pourquoi t'es toujours avec des étrangers? Je suis désolée pour ce reporter, chérie, mais ce qu'il m'a dit était très important. Suzanne, une des raisons qui explique mes démarches, c'est un... Je veux que personne n'oublie jamais ton frère. Tu comprends ça? Maman, tu sais pourquoi je viens si souvent ici? J'ai tellement peur d'oublier Chuck. Tu ne peux pas l'oublier, chérie. Mais si ça arrivait quand même. Non, chérie. Parce que Chuck vit dans ton cœur. Et qu'il y restera aussi longtemps que tu vivras. Si tu te souviens de ça, tu n'auras plus jamais peur. Merci. Est-ce qu'ils savent que vous êtes mon avocat? Oui. Hélène, nous ne sommes pas rejetés par les services du procureur. Ils ne savent pas comment ouvrir l'affaire. Mais alors, ce que j'ai du mal à saisir, c'est pourquoi ils ont l'air de croire que c'est moi qui ai perdu la raison. Tout ce que je demande, c'est une réponse aux questions. Mon fils avait des bleus sur les phalanges. Pourquoi? Et comment? Pourquoi ne peut-on retenir aucune charge contre ces gens-là? Le problème, c'est que... concernant le bizutage, il n'existe aucune loi pour sévir. Alors votons une loi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais c'est possible. Ah oui, tout est possible. Mais si vous avez vraiment l'intention de poursuivre, J'ai un excellent ami à l'Assemblée que vous pourriez voir. Comment s'appelle-t-il? Sam Hirsch. Dites à Monsieur Hirsch que je veux le rencontrer. Oh, bonjour. Mais où étais-tu passé? J'étais avec mon avocat. Les services du procureur nous font tourner en bourrique. Mange. Oh non, j'ai pas le temps. Mange. Tellement énervée que je ne me souviens même plus de ce que je voulais écrire. Tu avais découvert au cours de tes recherches que 5 de nos États avaient déjà une loi anti-bizutage. Alors, pourquoi dans l'État de New York, y en a-t-il aucune? Mais c'est pour le sandwich. Dis, où est-il ce type? À l'Assemblée, c'est Sam Hirsch. Grosse pointure. Le député Sam Hirsch réclame une aide fédérale. Il a du poids. Je sais. Et j'ai un bon dossier. J'espère que je ne vais pas bégayer pour défendre ma cause. Mais qui va payer tous ces frais? La fac a remboursé les frais d'inscription de Chuck, ça s'épuise. Tu devrais peut-être vendre quelque chose? Le garage est presque vide. Mais non, il reste des choses. Écoute, c'est un sujet que je vais éviter. Hélène, personne n'a besoin du bateau. Quant à la camionnette, elle est en panne constamment. Non, non, c'est Roy qui l'utilise. Et Scott fait des tours en bateau. Crois-tu vraiment que c'est de bon cœur? Ou est-ce qu'ils font ça simplement pour te faire plaisir? Alors, tu t'en sors? C'était pas facile. Tu crois que j'ai tort de vouloir garder le pick-up et le bateau? Ils ont besoin tous les deux de pas mal d'entretien. C'est du vieux matériel toujours en panne. Mais on arrive à réparer, à condition d'aimer ça. Et ce n'est pas ton cas? Je ne suis pas Chuck. Scott non plus. Il n'est pas un fanatique de la pêche comme l'était Chuck. Il rafistole ce rafio comme il peut. Mais ça le met mal à l'aise. Il te l'a dit? C'est drôle, à moi, il n'en a pas parlé. Il n'a pas osé. Moi non plus, je t'ai jamais dit que c'était une corvée de boucher les fuites de ce moteur. Tu sais, c'est un problème pour lui. Il cherche avant tout à éviter de te blesser. Quitte à en supporter lui-même les conséquences. Mais pour te dire, je suis un peu comme lui. Écoute, Roy, je ne demande pas qu'on m'assiste. Si mon attitude est gênante pour toi ou les enfants, je veux qu'on me le dise. Vends, Roy. Vends le pick-up et le bateau aussitôt que possible. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, mais ne les vends pas à des voisins. Dieu, accorde-moi un miracle. fait que Chuck tienne ma main. Juste une fois. On s'est porté partie civile contre l'université et la confrérie et contre ses représentants. Ce n'est pas dans un but pécuniaire qu'on le fait, mais parce que c'est le seul moyen d'obtenir des réponses aux questions. Mamie nous a suggéré de nommer mon organisation Chuck. C-H-U-C-K. Qu'est-ce que vous en pensez? Les lettres, elles veulent dire quoi? C'est exactement ce que je lui ai demandé. Elle a dit que je finirais par trouver. Eh bien, pas du tout. Et quel est l'objectif final de ton action? Une loi anti-bizutage, compte tenu des victimes qu'il génère. Nous souhaitons attirer l'attention du législateur. Si on parlait d'autre chose, maman. C'est vrai, quoi, c'est quand même ton anniversaire. Scott. Tu as raison. C'est mon anniversaire. Alors, je vous propose de porter un toast. C'est certainement pour toi. Reste là, je vais. Écoute, fais quelque chose, papa. Ça devient impossible, tous ces coups de fil. On en a par-dessus la tête. Scott n'a pas tort. On l'a même appelé en PCV. Un étudiant inconnu. Vous ne croyez pas que cet étudiant a été convaincu après en avoir parlé avec votre mère? Moi, je crois que ça en vaut la peine. Que se passe-t-il? C'était le député Sam Hirsch. Il va soutenir mon action en vue d'une loi anti-bizutage. Hélène, c'est fantastique. Je suis particulièrement fier de toi. Oh, il faut que j'aille à Albanie pendant que le conseil est en session. T'es obligée d'y aller? C'est indispensable, chérie. Monsieur Hirsch est convaincu que si je m'adresse au législateur, j'aurai leur appui. Pas de panique. Les lois, je sais bien comment on les fait passer. Je vais t'accompagner là-bas. Oh, c'est très gentil. Maman entre en politique. Hé, hey, il n'est jamais trop tard. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ton cadeau d'anniversaire. Chuck. Commission d'hostilité aux ukases du crime kabbalistique. Merci, Diane. Département d'État, Albanie, New York. Excusez-moi. Est-ce que le sénateur Wilson pourrait me consacrer 5 minutes? Ah, je suis navrée, son carnet de rendez-vous est plein aujourd'hui. Mais pourriez-vous m'inscrire pour en avoir un? Je m'appelle Hélène Stevens. Je verrai ce que je peux faire, madame, mais laissez-nous par écrit le motif de la visite et ensuite, si le sénateur est intéressé, il vous contactera. Mais je vous ai déjà remis un dossier complet il y a 8 jours. Oh, je suis absolument désolée. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver et le mettre tout en haut de la pile. Stevens... Je ne suis pas très familiarisée avec ces démarches, alors dites-moi comment procéder, monsieur Hirsch. Sam, je peux inciter à réfléchir sur l'urgence d'une loi contre les brimades scolaires, mais il vous faut trouver un appui au Sénat. Bien sûr, j'essaie. Mais dites-moi ce que je dois faire, puisqu'on refuse de me recevoir. J'ai constitué un dossier qui doit dormir depuis des mois au fond d'un tiroir. Mais malheureusement, chère madame, c'est ce qui se passe souvent quand une personne seule décide de s'attaquer à des groupes très puissants sur le plan politique. Mais alors, comment attirer leur attention ? Bonne question. Il faut essayer d'attraper le bon Dieu dans les couloirs et résumer votre affaire d'une manière concise. Ah, tenez, le voilà justement qui arrive. Sautez dessus avant qu'on l'appelle en séance. Monsieur le sénateur, je vous présente Hélène Stevens et Diane Danuti. Très heureux de vous connaître. Madame Stevens essaie d'attirer l'attention sur l'utilité d'une loi anti-bizutage. Mon fils a été tué par des étudiants inconscients. Depuis longtemps, j'essaie de vous rencontrer. Voilà, c'est un dossier complet sur les brimades. Nous avons besoin de votre soutien. Nous voulons que les officiels des universités et des confréries qui s'y attachent soient tenus pour responsables. Nous Les accidents de bizutage sont toujours entourés de mystères et nous n'avons aucune loi, sénateur. Sénateur, vous êtes attendu. Je suis navré, Madame Stevens, mais comme vous le voyez, je veux présenter. Sénateur, convenons d'un rendez-vous. Au moins, Madame Stevens dispose d'un grand nombre d'informations qui pourraient... Voyez mon secrétariat. J'ai été trop brutale, peut-être. Non, 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 non. Vous avez attiré son attention et c'est déjà une entrée en matière pour obtenir un début d'action. Je souhaite que vous ayez raison. Oui, c'est entendu. J'y réfléchirai. Oui, j'ai votre numéro. Merci, je vous rappellerai. Qui était-ce? People Magazine. Ils veulent écrire un article sur moi. C'est intéressant? Dans un sens, oui. On peut toucher des millions de gens par la grande presse. Mais le problème, c'est qu'ils veulent une photo de moi devant la tombe de Chuck. Où est le Malassa? Je ne sais pas. Un cimetière, c'est un endroit qui impose le recueillement. Des gens pourraient penser que la mort de Chuck est utilisée à des fins publicitaires. Non, personne n'en aurait l'idée. Écoute, tu fais ce que tu crois être juste. Suis ton intuition. Merci. Le photographe, en tout cas, était bouleversé par la mort de Chuck. Il pensait qu'une photo ferait passer le message. J'ai rien contre, moi. Non, ça me gêne pas non plus. Moi, ça me gêne. Je veux pas t'empêcher de continuer, maman, ça tu le sais. Mais je préfère être franc avec toi. Je vais reprendre l'école la semaine prochaine. C'est tout. J'aurai autre chose à faire que de m'occuper de ça. Tu comprends? Tu m'excuses? Hein? Oui. Hélène, tu surveilles le bacon. C'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour nous tous. Les voilà. Oh, alors de quoi j'ai l'air? T'es superbe. J'ai tellement le trac, j'en ai les mains qui tremblent. Ne te fais pas de soucis, tout se passera bien. Madame Stevens, comment expliquez-vous que ces jeunes gens acceptent de se prêter la nuit à des séances de bizutage aussi dangereuses? En ce qui concerne le danger, les élèves n'en ont pas conscience. Ils se disent, demain ce sera terminé, ce n'est peut-être pas si méchant. Ils ne s'attendent pas à y laisser leur vie. Je sais que vous n'êtes pas psychanalyste, mais comment trouver un sens à ces pratiques? Voyez-vous, je crois que les nouveaux venus sont plus vulnérables à la pression des anciens. La plupart d'entre eux quittent leur famille pour la première fois, ils cherchent leurs repères. Et quand on leur propose d'appartenir à une confrérie, l'idée est séduisante. Et ces séances de brimades sont-elles des cas isolés, comme peuvent le penser certains? Eh bien, l'année dernière... un jeune homme en a été victime. 6 bisus avaient un bandeau sur les yeux. On les forçait à traverser la rue et une voiture les a renversés. L'un d'eux est mort sur le coup. Les autres ont eu les jambes brisées. Tous les 6 se tenaient par la main en chantant « J'ai confiance en mon frère, j'ai confiance en mon frère ». Et le bandeau était le symbole d'une confiance aveugle. Mon fils Chuck avait lui aussi une confiance aveugle pour se soumettre au rituel de la confrérie. J'avais moi aussi une confiance aveugle en l'envoyant à l'université, où je le croyais à l'abri du danger. Tu as vu, elle se débrouille comme un chef! Qui aurait pensé il y a un an qu'on m'inviterait à parler à l'université? Oui, je sais. Roy, est-ce que Saint-Christopher est tout à côté de la faculté de Crawford? Oui, à peine 20 minutes en voiture. Ah bon, ce qui veut dire que les membres de Delta Lambda pourraient venir. Oui, c'est possible, mais ça te donnerait l'occasion de leur parler. C'est pas ce que tu voulais, non? Si, mais pas comme ça, pas en public. Je risque d'avoir le trac. Hélène, des millions de gens t'ont déjà vu à la télévision. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai reçu des lettres de menaces de pas mal d'étudiants. On ne sait pas ce qui peut t'arrêter. L'atmosphère était houleuse à Albanie, rappelle-toi. Et tu leur as cloué le bec sans même cligner un œil. Je sais, mais les élèves là-bas seront plus jeunes. Ils devront assister à ma conférence. Parce que c'est obligatoire. Je ne voudrais pas imposer ma façon de penser. Je veux simplement être comprise. Oh, je sais pas comment faire pour les convaincre. Qu'est-ce que c'est? L'anneau de confirmation de Chuck. Ça te portera chance. Tout ira bien. Laisse parler ton cœur. Collège Saint-Christopher. C'est vous, Hélène Stevens, non? Oui. La conférence va commencer. Vous viendrez y assister? Pourquoi vous en prendre aux confréries? C'est super ce qu'elles font. Fiston, t'as peur d'entrer l'écouter? Tu as tort. T'apprendrais des choses très intéressantes. Aussi, est-ce avec un grand plaisir que je vais vous présenter ce soir Madame Hélène Stevens. Hélène? Mais qu'est-ce qu'il y a? Un bus de la fac de Crawford vient d'arriver. Alors, pas de panique. T'inquiète pas. C'est une mère qui va vous parler. Une mère qui a vu son fils compromettre sa dignité, s'avilir à un point tel que seule l'inconscience en est l'excuse. Je ne voudrais pas que vos mères, ni vos familles, connaissent à leur tour le malheur et la tragédie que nous avons connus. On peut cultiver l'amitié, la fraternité, la confiance, l'amour, sans pour autant pratiquer des exercices qui mettent en péril la vie des autres. Je ne suis pas opposée à l'existence des confréries. C'est leur méthode que je critique, les abus auxquels elles se livrent. La mort de Chuck n'est qu'une partie de mon cauchemar. Je réalise qu'il a perdu la vie parce qu'au fond de lui, inconsciemment, une sorte d'admiration le poussait à rejoindre la confrérie Delta Lambda. Et je me dis que s'il avait vécu et en était devenu membre, il aurait pratiqué les mêmes méthodes et aurait pu, lui aussi, sacrifier le fils d'une autre mère. C'est pourquoi je suis venue ce soir, sans aucun désir de vengeance. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Si quelqu'un a des commentaires ou des questions, j'essaierai d'y répondre. Oui ? Je représente un groupe d'étudiants de la faculté de Crawford. Nous sommes venus soutenir votre action. Vous avez raison, Chuck a été sacrifié. J'ai finalement obtenu mon rendez-vous avec le sénateur Wilson. Au début, il était plutôt agacé, mais plus je parlais, plus je sentais son intérêt se manifester. Sénateur Wilson, soyons très clairs, rien ne saurait justifier les sévices. Ils sont incohérents. Et dans le cas de mon fils, ils sont mortels. Écoutez, je ne serais pas ici pour discuter d'une banalité. Et je n'aurais pas accepté de vous rencontrer si j'avais cru que j'allais perdre mon temps. Mais permettez-moi de vous faire observer que nous avons d'autres priorités. Avec la crise budgétaire, la crise de l'éducation, le crime, sans parler de l'environnement. Alors, si je vous ai bien compris, d'après vous, je devrais oublier tout ça. Est-ce qu'avant d'avoir commencé, je devrais déjà renoncer? Non, mais je vais vous dire ceci. Votre projet est encore très loin d'avoir mon appui. Pourquoi? Il n'est pas assez tranchant. On constate que le bizutage détermine l'acceptation dans une organisation. Mais ça veut dire quoi, ce jargon? Du remplissage. Les mots n'accrochent pas. Merci de votre sincérité, sénateur. Pourriez-vous m'aider à le refaire? Je n'en sais rien, Madame Stevens. Honnêtement, je n'en sais rien. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Non, ce n'est pas grave. Un ami de Chuck, qui est à l'université, m'a envoyé ça. Tiens donc, le président de l'université de Crawford va démissionner. Eh bien, ça, c'est une victoire. Non, non, non. Lisez plus loin. Ce n'est pas du tout une démission. Il a accepté la présidence d'un établissement voisin, encore plus grand et plus prestigieux. Je vois. Bien. Vous n'avez pas encore réussi à l'écarter du circuit, mais ce n'est qu'un détail. Vous accumulez des voix. Et ça, ça veut dire que tôt ou tard, nous aurons une loi anti-bizutage dans le code et qu'il devra s'y soumettre. Concentrez-vous sur les petites victoires. C'est ce qui me tient en haleine chaque jour. J'ai peu de chance de gagner avec le bureau du procureur. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un petit cadeau de Noël. J'avais écrit au gouverneur de votre part. Apparemment, l'université de Crawford est le plus grand employeur de la région. Il contribue à la vie locale pour plus de 20 millions de dollars dans un rayon de 50 km autour de l'université. Hélène, ce que je veux, c'est l'assurance formelle du gouverneur que le refus du procureur d'inculper d'homicide par imprudence Delta Lambda et tous ses membres est dénué de toute motivation politique. De plus en plus de courriers. De plus en plus de fans. Oh. Ta prestation télévisée a certainement provoqué un tremblement de terre. Ça dépasse l'imagination. Je n'ai pas pu compter, mais ça devrait approcher les 4000 lettres. Sans être curieuse, qu'est-ce que tu as l'intention d'en faire de ces lettres? Je vais y répondre. Oh, Hélène. Tu es déjà la présidente du mouvement, tu es son porte-parole, tu en es la secrétaire, tu en es l'animatrice. Il faudrait que tu te fasses aider, que tu aies du personnel, au moins déléguer un peu de tes responsabilités. C'est cher tout ça. Beaucoup de maires voudraient dissoudre les confréries et les cercles d'étudiants. Et je tiens à préserver le système tout en modifiant les méthodes. D'accord, mais il serait temps que tes conférences soient rémunérées et que tes frais de déplacement soient remboursés également. Il n'y a pas de raison pour que tu finances toute seule l'organisation. Oh, il serait dégradant de réclamer de l'argent. J'ai l'impression d'être un yo-yo qui ferait des allers-retours entre ici et chez moi. Hélène, je comprends très bien ce que vous ressentez. Les premiers temps que je venais à l'Albanie, ma famille avait du mal à s'adapter à mes sautes d'humeur. Parce que un jour, j'avais l'impression de construire un édifice, mais le jour suivant, je constatais qu'il s'écroulait. Vous savez, finalement, on a obtenu une réponse du procureur. Ah bon, ça n'a pas l'air de vous réjouir? Il dénie toute volonté de dissimuler des preuves et il justifie l'absence d'inculpation parce que l'instruction est toujours en cours. Toujours en cours? C'est complètement en contradiction avec ses déclarations à la presse. Je sais. Néanmoins, selon lui, l'enquête est toujours ouverte. Pourquoi refusait-il de répondre au téléphone et de me recevoir? Il dit qu'il n'avait aucune raison valable de s'entretenir avec vous. Hélène, il prétend agir en homme responsable dans cette investigation et que ses mobiles et ses plans doivent demeurer confidentiels. Et c'est tout? C'est son dernier mot? Non. Il a ajouté qu'il s'étonnait que d'aucuns pensent, vous, moi, la presse ou le gouverneur, que lui n'accomplissait pas son devoir. Qu'a-t-il à répondre au médecin légiste qui pense que Chuck a été tué? Selon lui, en l'espèce, il s'agit de propos informels qui n'engagent que leur auteur et dénués de tout fondement recevable. La vérité, Sam. Où est-ce que ça me conduit? Dans un premier temps, ça vous ramène à la case départ. Oui. D'accord. Merci d'avoir appelé, Sam. Oui, j'essaierai. Tu as un problème? C'était Sam Hirsch. Le gouverneur a opposé son veto. Pourquoi? Il dit que l'affaire qu'on lui a soumise peut être réglée par des lois déjà existantes. Et que vas-tu faire maintenant? Je vais repartir pour Albanie et tout recommencer, si je suis obligée. Les confréries sont entrées dans une période de rituel initiatique. Et si j'arrivais à les prendre sur le fait... Ce que j'ignorais, c'est qu'au moment même, une autre tragédie allait endeuiller une famille de New York. Un jeune homme de 19 ans, Michael Chambers, allait subir l'épreuve de l'initiation. L'avion a été retardé à cause d'une panne de moteur à Atlanta. J'aime pas qu'elle prenne l'avion. Moi non plus. Pourquoi elle reste pas à la maison comme une mère normale? Elle sera à la maison dans moins de 2 heures. Tu veux que je te serve ton dîner, Roy? Ah oui, merci, Diane. Oh, j'ai hâte d'être à la fin. J'aurai plus l'angoisse permanente de ce qui peut lui arriver quand elle prend l'avion pour Albanie ou la voiture pour Tombouctou. Que veux-tu qu'il arrive de grave à ta mère? Qu'est-ce que t'en sais? Chuck était parti et elle n'est jamais revenue. Suzy, je conçois que tu t'inquiètes pour ta mère. Mais ne généralise pas jusqu'à avoir peur de la vie. Tu sais, je mourais de peur aussi la première fois que je t'ai vu partir à bicyclette. Et en voyant Scott démarrer quand il avait tout juste son permis. Mais après, je me suis dit que tous les oiseaux prenaient leur vol et qu'il fallait essayer ses ailes. Et j'étais très fier de votre indépendance. Je le suis également de celle de votre mère. Le seul avantage d'avoir poireauté 2 heures à l'aéroport, c'est que ça m'a donné le temps de fignoler mon nouveau discours. Est-ce que Roy t'a dit que le prochain week-end, j'allais faire un speech devant une confrérie nationale pour la première fois? Non, c'est bien ça. Oh, mais c'est difficile de leur faire comprendre à quel point leurs pratiques sont dangereuses sans provoquer leur hostilité. S'il y en a une qui en est bien capable, c'est toi. Merci d'être venu m'aider ce soir. Mais les amis sont là pour ça. Quoi? Hélène, je crois qu'il est temps d'envisager de reprendre un rythme de vie plus normal. Normal? Oui, tu devrais consacrer un peu plus de temps à Roy et aux enfants. Je m'efforce, quand mes occupations le permettent, de passer mon temps avec eux. Mais pense à toi aussi. Moi? Je suis bien obligée de faire ce que j'ai à faire. Je respecte mes engagements. Hélène, ton travail, on dirait vraiment qu'il n'y a que ça qui compte pour toi. Et quoi? Oh, je sais pas. Enfin, est-ce que tu te rends compte que tu t'embarques dans une folle croisade? Une folle croisade? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Il serait sûrement plus sage de renoncer, Hélène. Tu n'as pas l'impression que c'est ce que Chuck aurait voulu? Oh mon Dieu! Oh, je te demande pardon. Ça va, laisse. Je crois au contraire que Chuck serait particulièrement fier de mon engagement. Parce qu'il ne voudrait pas qu'on ajoute d'autres victimes à la liste. Je sais que le sénateur est très occupé, mais glissez-nous entre deux rendez-vous juste pour 10 minutes. 10 minutes, c'est tout ce qu'on vous demande. Je suis désolée, c'est impossible. Je peux vous poser une question? Allez-y. Avez-vous des enfants? 4. Rien que des filles. Alors vous devriez comprendre pourquoi c'est si important. Enfin, vous ne voyez aucun moyen de nous aider. Peut-être que si le sénateur sentait que le public est en faveur de cette loi, il serait un peu plus enclin. Qu'est-ce qu'il lui faut? Un autre cadavre? Il faudrait qu'il reçoive des cartes et des lettres. Et plus il en recevra, plus il vous écoutera. Bonne chance. J'ai compris. Je connais ce regard. Je viens d'avoir une idée. Tu te souviens des lettres qu'on a reçues après mon passage à la télé? Bien sûr. Ils étaient prêts à nous aider, mais ils voulaient savoir comment. Alors nous allons leur dire comment, c'est-à-dire en écrivant au sénateur et en le pressant d'appuyer la loi. C'est une idée géniale. Oh, des cartes postales, on va en acheter par centaines. On va les timbrer. On mettra les adresses. Bon, tu vois d'ici le travail. Sinon, comment veux-tu pousser le sénateur à réfléchir, hein? Oh. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et des lettres, des cartes, des télégrammes, ça arrive de partout. Les supporters d'Hélène Stevens, je suppose. C'est exact. C'est inespéré, ça. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avancer. Vous ne criez pas victoire. Vous n'êtes pas très enthousiaste? Non, parce que j'ai des raisons. On dit que le gouverneur opposera son veto à la proposition de loi dès qu'elle lui sera soumise. Mort d'un étudiant à la suite d'une initiation de la confrérie. Pauvre idiote! Qu'est-ce qui t'arrive? Ils ont raison. Tout ce que je fais ne sert à rien, strictement à rien. Qu'est-ce qu'il prend? Une croisade stupide conduite par une demeurée. Moi, Hélène Stevens, je pensais réveiller le bon sens. Je me suis plantée, c'est un échec total. Arrête maintenant. Non, lâche-moi. Mais calme-toi. Arrête. Dites-moi, lâche-moi. Pas avant que tu veuilles m'expliquer ce qui t'arrive. Oh, lâche-moi. Je veux plus bouger, lâche-moi. Lâche-moi. Mais regarde ça. J'ai tout raté, personne ne veut plus m'écouter. Voilà le résultat, encore un mort. Regarde ça. Laisse-moi voir. Il s'appelle Michael Chambers, 19 ans, un étudiant de l'université Leyland, et il est mort. Que s'est-il passé? Toujours les mêmes stupidités. Ils ont réveillé un des bisous en plein milieu de la nuit. Ils l'ont soumis pendant des heures à leur initiation que nous connaissons. Debout, assis, pas de gymnastique. Et ensuite, ils l'ont habillé de vêtements très chauds et ils l'ont enfermé dans un bain de vapeur. La température du corps est montée au-delà de 42 degrés. Il s'est évanoui et en moins d'une heure, il est mort. Je m'en veux, mon Dieu, je m'en veux! Non, tu n'y es pour rien, ma chérie. Ah non! N'essaie pas de dégager ma responsabilité. J'en connais déjà pas mal qui voudraient dégager la leur. Enfin, Hélène, c'est de la folie. Pourquoi t'en prendre à toi? Tu es la seule parmi les autres, la seule qui ait bougé pour changer les choses. Mais pourquoi j'y suis pas arrivée? J'ai essayé de sauver l'intérêt général. J'ai parlé jusqu'à en perdre le souffle. Le gouverneur ne m'a même pas voulu m'écouter. Je sais plus quoi faire maintenant. Excusez-moi. Oui? Vous êtes Hélène Stevens? Oui, c'est moi. Je ne voudrais pas vous importuner, mais je vous ai vue à la télévision, quand vous parliez de la mort de votre fils. Merci de vous y intéresser. Beaucoup s'y intéressent. Tout ça, c'est tellement épouvantable. Et les accidents, ils continuent de se produire. Mon fils. Ils l'ont tué lui aussi. Il s'appelait Michael Chambers. Oui, bien sûr. J'ai lu la nouvelle dans la presse, je suis désolée. Aujourd'hui, nous aurions fêté son anniversaire. Et figurez-vous que je lui ai écrit une carte. Là-haut, peut-être qu'il saura qu'on ne l'a pas oublié. Il le saura. Madame Chambers, voulez-vous entrer boire une tasse de thé ou... Non, merci. Je suis en retard et maintenant je rentre. J'avais pensé que il fallait que je vous voie pour vous dire que c'est important de continuer de parler à tous ces reporters. Moi, je ne saurais pas le faire. Mais grâce au ciel, des gens comme vous savent comment nous défendre. Je suis contente que vous soyez mon porte-parole. Parlez pour nous, Hélène. Parlez pour toutes les mères qui ont besoin de vous. J'essaierai, Madame Chambers, je vous le promets. Je ne saurais vous dire combien de fois il m'a été répondu que les brimades sur les campus ne méritaient pas qu'on s'y attache. Un sujet banal, somme toute, comparé à tous les autres problèmes qui se posent à notre société. Mais pour moi et pour la mère de Michael Chambers, ce jeune homme victime d'un bizutage fatal au cours d'un autre rituel des confréries, c'est en vérité une simple question de vie ou de mort. Le grand jury, en l'état actuel du code, n'a pu requérir aucune charge à l'encontre de la confrérie responsable de l'accident. Cependant, dans un sursaut inhabituel, le grand jury a recommandé que l'État adopte une loi répressive à l'égard de ces cas. Michael Chambers n'était pas allé faire la guerre, mais plutôt poursuivre des études dans une université renommée et paisible, du moins était-on en droit de le penser. le grand jury est convaincu que sa mort n'est autre que la résultante d'un meurtre, la conséquence d'une immense stupidité et d'une collective irresponsabilité. Si cette loi n'avait pas été rejetée par le gouverneur, un coupable aurait pu répondre de la mort de cet étudiant. Mais son veto invite les confréries à aller de l'avant et à poursuivre leur dangereuse et potentiellement fatale activité de bizutage. Nous avons 45 conseillers à la Chambre et 25 au Sénat qui nous parrainent. Et j'ai reçu de nombreuses lettres de soutien de hautes figures de la confrérie nationale. Je vous supplie de vous joindre à nous en approuvant ce projet de loi, que nous présenterons au gouverneur une fois encore. Madame Stevens, merci de nous avoir montré à mes collègues et à moi que ce projet de loi s'avérait nécessaire. Merci. Merci. Sénateur Van Horn. Le sénateur Van Horn vote oui. Sénateur Wilson. Le sénateur Wilson vote oui. La motion est adoptée. Rappelez-vous, Hélène, si vous arrivez de trouver ça trop pénible, alors vous êtes autorisée à sortir. Ce n'est qu'une audition préliminaire et votre présence n'est pas requise. Je tiens absolument à rester. Je veux qu'ils me voient lorsqu'ils parleront. En tant que président de la confrérie Delta Lambda, est-ce que vous approuvez les brimades qui s'exercent à l'égard des nouveaux? Ça fait partie d'une tradition, en vigueur depuis des années. Mais vous avez très activement participé cette nuit-là, n'est-ce pas, monsieur Lenir? J'étais présent, si c'est ce que vous demandez. Vous avez vu Chuck sortir du coffre? Oui, maître. Est-ce qu'il était ivre? Je ne saurais le dire. Pourquoi? Parce que les deux autres vomissaient. Et moi, je les regardais. Est-ce qu'il était inconscient? Lui avez-vous manifesté un minimum d'attention, monsieur Lenir, ou les vomissements étaient-ils le centre de vos préoccupations? J'ignorais qu'il se trouvait dans un état alarmant. Je le jure. Quelle consigne avait-il reçue pour cette nuit-là? De boire jusqu'à ce qu'il tombe. De boire jusqu'à ce qu'il tombe. Il semblerait que Chuck ait suivi vos ordres à la lettre, monsieur Lenir. Madame Stevens, c'était vraiment un accident. Vous ne voulez pas lui faire de mal, je vous assure. Je vous demande de me croire. Aujourd'hui que je suis transformée, comme ces jeunes gens de Delta Lambda qui ont provoqué sa mort. Je voulais qu'ils me regardent dans les yeux, mais les leurs étaient si embués de larmes qu'ils ne me voyaient pas. Je sais que Chuck n'a pas été le seul à être privé de ses rêves à l'aube de sa vie d'homme. Je sais aussi que la mort de mon fils va hanter les rêves de ces jeunes gens de la confrérie jusqu'à la fin de leur jour. Mais j'ai été touchée par la grâce au fond de mes ténèbres. Et quand je parle de Chuck, ce n'est pas de la mort que je parle, mais de la vie qui l'emporte sur les tragédies et les erreurs humaines. Maman, t'as gagné! Félicitations! Tu peux me parler? Le gouverneur a finalement signé. Oh. Félicitations, Hélène. Ta mort, Chuck, n'aura pas été vaine. Et il m'a dit, vous croyez qu'elle va encore nous sortir, cette vieille histoire usée? Évidemment, il ne savait pas qui j'étais. Et qu'est-ce que tu as répondu? Oui, jeune homme, elle va sortir la même histoire usée. Et tu verras 800 gosses dans l'amphi, tellement intéressés, que tu entendras une mouche voler. Et si on se buvait un petit café? Ouais. Qui aurait pu penser que quelqu'un comme moi, qui n'est jamais allé au collège, qui n'a jamais parlé en public de sa vie, qui n'est jamais sortie de chez elle, qui n'est jamais allée nulle part sans son mari, qui a toujours mené une vie très banale, aurait un jour l'audace insensée de faire ce que je fais. Mais j'aime ça et je m'y donne totalement. Et lorsque je vois l'intérêt sur vos visages et que je ressens la chaleur de votre accueil, lorsque vous me dites que les propos que j'ai tenus allaient modifier bien des choses et que, d'une certaine façon, ils vous ont donné le courage de vous remettre en cause et de reconnaître le bien fondé du changement. Alors je tiens à ce que chacun d'entre vous sache qu'il a déjà trouvé une place toute spéciale dans mon cœur. C'est à vous que je dois d'avoir eu la force de faire ce que je fais. Et ce que je veux faire aussi, c'est me glisser dans vos têtes et vous obliger à réfléchir. Je ne suis pas un doyen de collège, ni un professeur. Je suis tout simplement une mère de famille. Grâce à la ténacité et à la détermination d'Hélène Stevens, des lois anti-bizutage existent désormais dans 38 États. Et une législation est en cours dans plusieurs autres.